culture comme Partager ça. ce qu'on a est une valeur qu'on apprend depuis l'enfance, mais aussi une valeur religieuse. C'est à Bingerville, au quartier Ancienne Gendarmerie, que Diane Douaille et ses camarades d'église ont établi la Banque Vestimentaire et Alimentaire de Côte d'Ivoire, Bévassi, un antre de la charité. Sympa ce boulérou, il est tout neuf. Un terrain nu, aménagé pour recevoir ceux qu'ils appellent les clients. La Banque Vestimentaire et Alimentaire est venue d'une vision que le Seigneur a donnée à un frère en Christ. Et à partir de là, plusieurs personnes se sont senties touchées par cette vision et ont décidé de, je ne sais pas si je vais dire, de lui apporter de l'aide, parce que après tout, ce n'est pas son idée, mais c'est l'idée du Seigneur. Et donc voilà comment c'est né en fait. Kwame Kwaku Ange vient d'essayer une chemise. Elle lui va à merveille. Je suis venu pour récupérer des vêtements. Comme de nombreux autres clients, il vient de trouver son bonheur. Bon, vraiment, ça nous fait plaisir d'abord, parce que c'est une chance pour nous d'avoir de nouveaux vêtements. Mais des initiatives de ce genre peuvent attirer des personnes mal intentionnées. En fait, pour baliser un peu, ce qu'on a fait, c'est de limiter le nombre de vêtements qu'une seule personne peut prendre, en moyenne 4-5 vêtements, et surtout que chaque personne essaye et les gens prennent les vêtements qui leur vont à eux. Quant à la nourriture, on fait des kits. Donc les kits, c'est suffisant généralement pour peut-être pour faire la cuisine pour un jour. Diane Cassi est bénévole pour la Bévassi. Elle en est également la première donatrice. J'ai aimé en tout cas l'initiative et j'ai eu à cœur comme ça de participer parce que j'ai un peu vécu la situation que ces personnes, les clients du moins qui viennent. Et je me suis promis, si j'avais un peu les moyens, je pourrais aussi contribuer au bonheur des autres. Ici, on donne avec le cœur ce qu'on a de meilleur. Il y a de la joie à donner, mais aussi à recevoir autant d'amour. Changement de décor. Nous retrouvons Amanda Mandombi à Cocody Saint-Viateur. La jeune femme est sur son ordinateur. Lorsqu'elle ne travaille pas pour son employeur, elle s'occupe de la Banque Alimentaire Digitale de Côte d'Ivoire. La Banque Alimentaire Digitale Ivoirienne, j'y pensais depuis très longtemps. Et un matin, comme par hasard, j'ai vu un post d'une amie à moi que j'embrasse beaucoup, qui était la Soroko, qui demandait à créer une association ou un groupe comme ça pour pouvoir aider des personnes. Et ça allait s'appeler la Banque Alimentaire Digitale Ivoirienne. Et moi, tout de suite, je lui fais un messenger pour dire, écoute, j'y pensais aussi. Il faut qu'on la crée, il faut qu'on mette ça sur place. Je suis disponible entièrement. Et c'est comme ça que c'est parti. Tout se passe via les réseaux sociaux. On y trouve des donateurs comme des bénéficiaires. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'était de créer un groupe Facebook. Par la suite, on a basculé en page Facebook pour que les gens puissent nous écrire aisément et qu'on puisse gérer en fait l'interaction dans les messengers. La majorité de nos cas viennent des réseaux sociaux. C'est des personnes qui sont en détresse ou du bouche à oreille. Ah, j'ai entendu telle association qui fait telle action. Dans le domaine et tout, et généralement c'est comme ça qu'on nous contacte. Celui qui donne, reçoit. Ainsi va la musique de la vie, surtout quand elle est jouée avec les instruments du cœur.